Ah, y'a Jérôme. Y'a Jérôme. Il avait un 250 sur ça, il tourne à 250. Il avait vendu 250 alors qu'il avait acheté. Ils sont là, Monnier. Quand je dis top, on touche nos pieds et on saute en l'air. Ok ? Allez, top ! Top ! Voilà. Ok, maintenant, on s'arrête. Voilà. Alors ça les gars, surtout l'échauffement, avant l'entraînement, c'est bien, même si je fais les poignets, faire des flexions comme ça à côté de la moto, quand on part rouler, c'est bien. Si on retourne, c'est encore plus important.
quand vous devez commencer à accélérer, ça veut dire que quand on saute d'une table, vous sautez presque les sauts là. Qui hein. saute pas cette table là Orion, je crois, il te manque pas beaucoup. Tu la sautes, non? Ouais, il te manque un peu. À la réception de la table, qu'est-ce qu'on fait Charlie, t'arrives sur la bosse, on dirait même pas que tu veux faire une roue arrière. Tu restes assis normalement, comme si tu roulais en ligne droite, non? On arrive debout, on fait une petite impulsion, voilà, et là, hop, la roue avant, elle est cabrée, hein, d'accord? Une fois qu'elle est cabrée, on a presque plus besoin d'accélérer. C'est très léger le coup de gaz. On va garder. T'as vu sinon, Orion? Sinon, tu n'as pas eu de retourner, d'accord? Donc c'est pas grave, c'était bien. Est-ce que tu arrives bien? Voilà. Erwan, t'as fait des beaux, t'as réussi pas mal de fois, c'était bien, hein, d'accord? Nono, t'arrives pas assez vite. Plus de vitesse, il tire sur le guidon, d'accord? On doit faire une compression détente, bah, et après on roule un peu, hein. Ok, mets-toi en première avec ta moto. Charlie, t'es en première? Yeah.
Charlie, il manquait les épaules en arrière et pas assez de vitesse. T'arrivais pas assez vite. La 125, faut quand même la lever. Hein. Elle est plus lourde. Hein. Faut que t'arrives un peu plus vite. D'accord ? Et quand on arrive en haut de la bosse, on reculait les épaules en arrière, hop, et la moto, elle va garder l'inclinaison. Hein. C'était ce mouvement-là qui est important de faire, d'accord ? Donc là, on va passer à autre chose. On va finir de s'amuser, mais sur le supercross, mais en faisant les tours entiers, d'accord ? Avec les hoops, ou alors on pouvait passer à côté aussi. Mais vous faites attention, il y a des flaques d'eau. Donc pour l'instant, on roule tranquille juste pour s'amuser, et après on s'arrêtera.